L'agression, elle commence directement ici. Et soit qu'il se défend ou bien soit qu'il lutte. Et arriver à cet endroit aussi, c'est là qu'il chauffe. Ça peut être du liquide séminal comme du liquide biologique, genre sueur. Il s'agit d'un homme, puisque c'est XY. Mais monsieur, il est malaxé pendant 10 minutes. Le chien, vous voyez, identifie parfaitement le mis en cause. Cette nuit-là, sur l'autoroute du Nord, c'est une macabre découverte qui vient d'être faite. Des patrouilleurs ont trouvé un cadavre sur la bande d'arrêt d'urgence. Et dans ce genre de circonstances, ce sont des gendarmes pas comme les autres qui se déplacent. Des super gendarmes, des experts de la scène de crime. Je vais sécher un peu les mains. Thierry traque les indices depuis 18 ans. Dominique, depuis 12 ans. Tous les deux sont des scientifiques. Ceux qu'on appelle pour faire parler les morts. Ceux qui savent lire le moindre indice. Ceux qui collectent les preuves. Et ce soir, leur mission est de comprendre ce qui est arrivé à cet homme sur le bord de la route. Le but, c'est de déterminer s'il s'agit soit d'un homicide, d'un suicide ou d'un accident, un simple accident de la route. Un bas de survêtement. Dans ce genre d'affaires, il faut commencer par identifier la victime. Noir, bande blanche. Seulement voilà, l'homme n'a pas de papier sur lui. Il porte un boxer Dim, bleu ciel. Alors Thierry et Dominique prennent des photos, puis relèvent les empreintes digitales de l'inconnu. Ils pourront ensuite les soumettre au fichier national des empreintes de la police et de la gendarmerie. On va savoir tout de suite si la personne est connue, et là on mettra vraiment un nom sur la victime. Mais l'homme n'est pas répertorié. Alors les deux scientifiques continuent leur enquête minutieuse. Ils retracent avec précision la position du corps et cherchent le moindre indice qui pourrait les éclairer sur les circonstances de cette mort. Et justement, un détail va attirer leur attention. L'homme est sur le bord de la route, mais il n'y a aucune voiture à proximité. Il serait donc arrivé à pied à travers les champs. Seulement voilà. Taille 42. En mesurant la taille des pieds du cadavre, Thierry et Dominique vont se rendre compte que les semelles de l'homme sont sèches et propres. Ça ne colle pas. L'état des semelles nous dit qu'il a marché sur des endroits propres. Donc il peut avoir marché sur le bord de la route, mais non pas dans la boue ou dans les herbes. Hein. Donc les chaussures sont sèches. L'homme pourrait donc être arrivé par la route, à pied. Et la main droite à 69. Ou bien avoir été jeté d'une voiture. Ou encore... Il a peut-être été percuté aussi par un véhicule, non ? Sauf que la cage thoracique est intacte. Le corps ne présente pas les fractures habituelles en cas d'accident avec une voiture. Et puis les enquêteurs vont découvrir un détail, un infime détail, qui était jusqu'ici passé inaperçu. Y a des érosions, des coupures dans le creux de la main. Regarde. Elle est bien linéaire, la coupure. Regarde. Ça pourrait être suspect, hein, une zone de défense. Un couteau dans la main qui glisse, on peut tout imaginer. Hein. Des coupures. L'homme se serait-il battu? Se serait-il défendu contre un agresseur avec un couteau? Les enquêteurs vont trouver un autre indice sur le pont situé juste au-dessus de l'endroit où le corps a été découvert. Non, c'est parce que là, on est sur... Des traces suspectes. 100. 100. 100. Des traces de sang, en apparence tout du moins. L'homme aurait pu être victime d'un agresseur qui l'aurait ensuite projeté dans le vide. Il aurait peut-être tenté de s'accrocher à la rambarde. Vu les traces de sang, moi je dis que l'agression elle commence directement ici. Et sur 3 mètres à peu près, et soit qu'il se défend ou bien soit qu'il lutte, et arriver à cet endroit-ci directement, c'est là qu'il chute. Pour étayer leur scénario,
méthodiquement, minutieusement. Les experts passent la scène au peigne fin et numérotent chaque indice. 5, c'est directement les traces de sang, plus une trace de semelle, regarde. La trace de semelle, on la trouve ici. Nouvelle prise d'empreinte. Il faut savoir si cette semelle correspond bien à celle des chaussures de l'homme décédé. Car les scientifiques ne se contentent pas d'hypothèses, il leur faut des preuves. 14,05 m. 14,80 m. 16,20 m. C'est sur place qu'ils vont procéder aux premières analyses. Ce qu'on va déjà faire, c'est faire un test pour voir si vraiment c'est une trace de sang. Avec eux, dans leur fourgon d'identification criminelle, la trousse du parfait analyste. Tube, pince à épiler, coton-tige. Tout pour faire un premier prélèvement. Et tout également pour obtenir les premiers résultats d'une analyse en quelques secondes. On voit que ça commence à monter. On a un premier trait qui va nous montrer si le test fonctionne. Et on aura un second trait qui va apparaître si, directement, on est en présence d'hémoglobine humaine. Dominique va savoir immédiatement si leur première impression est la bonne ou pas. On est bien en présence d'hémoglobine humaine. Voilà donc une affaire dont l'enquête est lancée. Elle doit encore suivre son cours. C'est vous qui récupérez... Ça, je te les donne. Tu verras avec le major du peloton d'autoroute et puis le magistrat ce qu'il va en faire. Grâce à l'intervention de ces experts, les enquêteurs de la gendarmerie ont de solides bases pour établir un scénario probable. Et des interventions de ce type, il s'en produit chaque jour en France. Plus aucune enquête ne se déroule désormais sans le concours de ces experts scientifiques. Ces experts, ce sont les enquêteurs de l'ombre. Ils sont les héros de tellement de séries télévisées qu'on croit les connaître. Et pourtant, ils sont rarement médiatisés. Reste que pour résoudre les enquêtes, leur travail est devenu essentiel. Ça peut être du liquide séminal, comme du liquide biologique, genre sueur. Qui sont ces spécialistes? Comment sont-ils formés et quelles sont leurs méthodes? On constate que les deux empreintes de percussion sont totalement identiques. Experts de la police ou de la gendarmerie nationale, ils sont maintenant plus de 3000 en France à mener l'enquête en s'appuyant sur la science et sur la logique. Nous allons vous révéler ce qu'ils ne montrent jamais, les techniques qu'ils utilisent pour confondre les criminels, des plus élémentaires. Ça a été violent parce qu'il y a quand même pas mal de taches de sang, on en a aussi bien sur les murs que sur les meubles. Aux plus élaborés. Il s'agit d'un homme, puisque c'est X, Y. Vous allez pénétrer dans les coulisses des enquêtes criminelles. Et voir comment, avec des tests en laboratoire, on peut trouver la position exacte d'un tueur sur la scène d'un crime. 150 ? Ouais, deux, je pense, même, tu sais. Ce qui pourrait expliquer qu'on ait deux impacts au niveau du corps qui soient séparés de quelques centimètres. Comment, avec les outils de modélisation en 3D, on peut rendre visible une micro-gouttelette de sang imperceptible pour l'œil humain. L'on doit être aux alentours d'un million de points au niveau de l'image. Imaginez la même image avec 137 millions de points. Comment, avec l'évolution des techniques d'analyse ADN, on est aujourd'hui capable de résoudre des crimes parfois vieux de dizaines d'années? Allez, bouge pas, allonge-toi. Pour la première fois, vous allez même pouvoir suivre le démantèlement d'un gang de braqueurs de banque grâce à une toute nouvelle méthode imparable et peu connue, la reconnaissance olfactive. Prenez dans votre main. Ouvrez. Continuez à malaxer. Vous verrez ainsi que les scientifiques doivent toujours innover pour conserver une longueur d'avance sur les criminels. Alors là, rebondissement, mon cher Watson. Ingénieur de laboratoire et technicien de terrain, vous allez comprendre comment ils ont révolutionné les méthodes d'investigation et pourquoi ils sont devenus incontournables. Du vol le plus simple au crime le plus sordide, plongez dans le monde très fermé de la scientifique.
Aux portes de Paris, c'est un endroit où l'on ne pénètre que très rarement. Et pour cause. Derrière ces murs, 200 gendarmes tentent de résoudre les plus grandes affaires criminelles grâce à la science. Le fort de Rosny, c'est le QG de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminalistique de la Gendarmerie nationale. Ici, le patron, c'est le colonel François Daoust. Vous pouvez aller voir le directeur adjoint, après il a quelque chose pour vous. Exceptionnellement, il a bien voulu nous ouvrir les portes d'un domaine immense. Plus de 2 hectares entièrement dédiés à la science criminelle. Il y a un ensemble de bâtiments, d'ailleurs certains qui sont historiques, et c'est dans l'ensemble de ces bâtiments que sont dispersés les différents départements du laboratoire de l'IRCGN. Dans ce bâtiment se trouve par exemple un grand classique de l'expertise scientifique. C'est là que tout a commencé. Bonjour, bonjour. C'est le département empreinte digitale. Les empreintes, la première technique d'investigation scientifique adoptée par les forces de l'ordre. 100 ans plus tard, elle rend toujours de grands services. 140 000 scellés arrivent ici pour analyse chaque année. Seules les techniques ont évolué. Lumière et laser ont remplacé loupe et crayon. Un peu plus loin, un autre labo historique. L'armurerie de l'IRCGN. La plus grande collection d'armes de France, autant dire un musée. On y trouve pratiquement tous les modèles conçus dans le monde. Un rêve d'amateur d'armes et de pièces de collection. Voilà, la fameuse Thompson modèle 1928 d'Al Capone avec son chargeur Camembert. On trouve aussi le fameux Colt du film Police Python 357. Alors ça, c'est Yves Montand. Yves Montand, l'inspecteur Harry, lui, se trouve ici. C'était deux maisons qui étaient concurrentes, Colt d'un côté et Smith & Wesson de l'autre. Des spécialistes des armes, mais aussi de la mécanique. Dans ce garage, les véhicules impliqués dans les plus gros dossiers sont étudiés sous toutes les coutures. Ce fut le cas de la voiture dans laquelle la princesse Diana a trouvé la mort en 1997. Mais les nouvelles technologies prennent de plus en plus de place. Un laboratoire dédié aux explosifs, incendies et pollution. Un autre consacré aux drogues, des plus connus aux plus confidentiels. On recherche de nouvelles molécules qui ne sont pas encore référencées comme stupéfiants, mais qui risquent de le devenir. Mais si les ingénieurs traquent les bandits depuis leur laboratoire, c'est sur le terrain que la majorité des pros de la scientifique opère. Okay. Et le terrain, cela s'apprend aussi ici, au fort de Rosny. Chaque année, une quarantaine de militaires y passent 9 semaines à se former aux dernières méthodes d'expertise scientifique. Et vous allez voir que ces gendarmes ont déjà un pied dans le futur, avec des outils d'analyse très rares dans le monde, et déjà à l'œuvre en France. Et qui va nous permettre donc d'effectuer... Et c'est Hervé qui se charge de transformer ses collègues en pro de l'analyse des scènes de crime. Ce jour-là, Ronald, 27 ans de service, est en formation continue avec son jeune maître de stage. Pour ses experts, un deuxième uniforme de travail, pas question de compromettre une scène de crime, même si elle n'est plus vraiment très fraîche. Donc voilà, je laisse découvrir un petit peu la scène. Dans ce bureau, un crime odieux vient d'avoir lieu. Un innocent mannequin gît dans son sang. Quelques douilles sur le sol. Visiblement, c'est un meurtre sauvage à l'arme automatique. Le stagiaire fait ses premières constatations. Bon, apparemment, ça a été violent parce qu'il y a quand même pas mal de taches de sang. On en a aussi bien sur les murs que sur les meubles, et puis sur le sol, et puis une victime. Ouais, tout à fait. Une victime ensanglantée. OK. Mais aujourd'hui, si Ronald est venu sur cette scène de crime fictive, c'est avant tout pour se familiariser avec une toute nouvelle machine qui permet de reproduire les lieux en 3 dimensions. Le visage. Hervé lui présente son dernier gadget à la pointe de la technologie, ce qui se fait de mieux en matière de scène de crime. Et on va les positionner ensemble. Oui. Et puis je vais t'expliquer comment on positionne le laser. Donc là, en fait, on va vouloir la scène dans la globalité. Oui. Donc en fait, on va devoir positionner notre laser scanner de manière à ce qu'en fait, on puisse voir toute la scène dans son intégralité. Le formateur lui indique comment disposer ses boules blanches aux emplacements stratégiques. Ce seront des points de repère pour la caméra qui va tout filmer en 3D. Ils en placent au pied des portes,
sur des coins de table. Tu peux en mettre une sur le coin là-bas. À l'extrémité. Voilà. Ici là ? Exactement. En hauteur sur les meubles, afin d'identifier les points saillants de la pièce et de guider l'objectif du scanner. Les sphères, elles vont nous servir de référence pour positionner notre laser scanner dans la scène en 3D. Entendu. Ici à droite. Le laser scanner peut maintenant entrer en action. Sur le trépied. Donc on va avoir un laser en fait qui va sortir donc à ce niveau-là, qui va venir taper donc un miroir qui sera en rotation donc sur lui-même, et l'appareil également va tourner sur lui-même, et c'est ces deux mouvements de rotation en fait qui vont permettre d'acquérir donc la modélisation de la pièce en trois dimensions. Je te laisse découvrir en même temps que je le fais. Hein. Donc tu peux lancer le scan. Voilà, donc là il commence à acquérir, on va sortir de la pièce. Pendant 10 minutes, le laser scanner regarde dans toutes les directions. Quand un petit son indique la fin de la numérisation. Voilà comment on prend les photos au 21e siècle. Et voici le résultat. Une reconstitution en couleur et à l'identique de la scène de crime. Une technique révolutionnaire qui permet aux enquêteurs de ne plus passer à côté du moindre indice. Un peu la même technologie que celle employée sur les plateaux de cinéma ou par les créateurs de jeux vidéo. Mais pour les gendarmes, c'est du sérieux. Là, on a la vue photographique, donc on va pouvoir récupérer la position du cadavre. On va également pouvoir récupérer donc, du point de détail au mur, via par exemple les posters de criminalistique qui étaient présents sur la scène, mais on va également pouvoir récupérer à la fois des distances avec des points caractéristiques, des trajectoires de balistique et également de la morphoanalyse de traces de sang. Les petits détails deviennent visibles, jusqu'aux plus petites gouttelettes de sang, même microscopiques. On voit donc à ce niveau-là donc les traces de sang, on les distingue. Alors là, on n'est pas à la résolution maximum, mais si on avait vraiment voulu avoir une définition extrême, les numérisations peuvent comporter plusieurs centaines de millions de points. Là, on doit être aux alentours d'un million de points au niveau de l'image. Imaginez la même image avec 137 millions de points. Pour les techniciens de terrain, rien de plus pratique. Ils sont maintenant certains de ne jamais laisser derrière eux la plus petite information. Si demain j'oublie une mesure sur le terrain, j'aurais pas besoin de prendre mon véhicule et aller reprendre la mesure avec un collègue. Là, je l'aurai directement au vu de mon écran. Mais il y a un autre avantage et de taille. Des années après les faits, même la scène de crime disparue, un enquêteur pourra à nouveau la visiter et peut-être y trouver de nouveaux indices. Toutes les distances qui vont nous intéresser. Ça sera d'une aide plus que précieuse, notamment les scènes où il va y avoir une déperdition forte des indices compte tenu des conditions météo. De la pluie, du vent, de la neige qui peut arriver également en hiver. Par exemple, Ronald, tu vois. Car cette machine fonctionne aussi à l'extérieur, en pleine nature. À la fin de l'année dernière, elle a ainsi été déployée en pleine montagne pour l'affaire de la tuerie de Chevaline. Le massacre d'une famille de trois Anglais et d'un Français qui passait par là. Toute la scène a été sauvegardée en trois dimensions par l'un de ces lasers ultra sophistiqués qui viennent tout juste d'arriver dans les services d'enquête. Mais la science ne fait pas tout. Et même l'ordinateur le plus puissant n'est pas capable de résoudre une enquête par lui-même. Seul le cerveau humain peut tirer les bonnes conclusions. Et le quotidien d'un enquêteur, gendarme ou policier, commence souvent par une énigme à résoudre. Vous allez voir que parfois le mystère à élucider s'avère d'une complexité telle qu'il peut sembler, a priori, insoluble. Nous sommes dans la banlieue de Lyon, à l'Institut national de police scientifique, l'INPS. Derrière ces murs, plus de 700 agents travaillent, la fine fleur des enquêteurs de l'Hexagone. Des scientifiques, des universitaires, des policiers de laboratoire qui participent aujourd'hui à 80% des enquêtes résolues. Et leur travail est souvent déterminant dans la constitution d'un dossier d'accusation. Le docteur Miras est l'un d'eux. Médecin légiste de formation, policier depuis 12 ans, il est spécialisé dans les blessures mortelles occasionnées par des armes en tout genre. T'as 2 minutes là. Ce matin, il se penche sur les circonstances d'un meurtre.
deux plaies par arme à feu qui sont au niveau de la victime, visiblement. Lui est médecin, son collègue, spécialiste des armes à feu. Tous les deux vont travailler sur un meurtre que les policiers pensent prémédité. Autrement dit, un assassinat. Il y a quelques semaines, une femme a été retrouvée morte chez elle, tuée par son mari. Dans la pièce, les enquêteurs saisissent un fusil, deux douilles, quelques plombs et prélèvent les vêtements de la victime avec des impacts de balles. Autant d'indices qui vont permettre à nos spécialistes de répondre à plusieurs questions. Eh bien, je te laisse faire les vêtements. Ouais. Moi, je m'occupe de l'arme et des étuis. Première question, était-ce bien l'arme du crime ? Le spécialiste en armes à feu va comparer une douille tirée par un policier avec les douilles retrouvées sur la scène de crime. La verte, celle du test. La rouge, à gauche, celle retrouvée près du corps. Sur l'écran, elles s'affichent côte à côte. Pour nous, rien de vraiment visible. Mais pour l'œil affûté de notre enquêteur, des similitudes qui parlent aussitôt. Car lorsqu'un coup de feu est tiré, le percuteur de l'arme laisse une signature unique sur la cartouche. Sur la droite, nous avons donc un étui percuté retrouvé sur la scène de crime. À gauche, l'étui percuté dans le fusil. Ce défaut-là est retrouvé là. On voit ce qu'on appelle l'empreinte de percussion. Et sur l'étui percuté lors de nos tirs d'essai, je retrouve la même empreinte de percussion. Aucun doute, il s'agit bien de l'arme qui a tué la victime. Deuxième question, est-ce que le coup a pu partir tout seul ? Le suspect pourrait par exemple prétendre qu'il n'a jamais voulu tirer sur sa femme, qu'il s'agissait d'une mauvaise manipulation de sa part. Ce serait alors un accident. Pour le savoir, une seule solution, tester le fusil. Donc, pour provoquer le coup de feu, je constate qu'il faut bien presser sur les queues de détente. Autrement dit, si les coups de feu sont partis, c'est que le tireur a pressé activement sur la détente. La thèse de l'accident est écartée. Reste à savoir à quelle distance les coups de feu ont été tirés. Cela peut sembler anecdotique, c'est en réalité essentiel. Car si les coups de feu ont été tirés de loin, le tireur peut invoquer une erreur de jugement, qu'il n'a pas reconnu sa femme, qu'il pensait que c'était un cambrioleur. Si les coups de feu ont été tirés à bout portant, difficile pour le tireur de défendre la thèse d'une méprise. Dans un cas, c'est un meurtre avec l'idée d'une légitime défense, dans l'autre, un assassinat. Le premier est passible de quelques années de prison, le second, de la perpétuité. Pour répondre à cette question, nos spécialistes vont s'intéresser de près aux vêtements que portait la victime. On y voit les deux impacts de balles, ou plus exactement, deux séries d'impacts de plomb. Alors, ce que l'on a ici, c'est une multitude d'entrées de... une multitude de petits orifices qui sont des entrées de petits plombs. Alors, on voit qu'il y en a qui sont en périphérie. Et puis, il y a une zone centrale beaucoup plus concentrée. Et ce qui peut paraître un détail va s'avérer déterminant pour l'enquête. L'orifice causé par l'impact du coup de feu est signifiant. On va pouvoir recueillir tous les éléments d'information qui vont nous permettre d'estimer la distance de tir et la position de l'auteur par rapport à la victime. Il faut savoir que lorsqu'on tire un coup de fusil, les plombs se propagent de manière conique. Plus la cible est éloignée, plus l'impact est large et les plombs dispersés. Autrement dit, la taille de l'impact permet d'estimer la distance à laquelle le tireur se trouvait de sa victime. Et pour l'établir avec précision, on procède à des tests de tir. L'armurier de la police scientifique a préparé une planche qui représente l'emplacement de la victime. C'est lui qui va jouer le rôle du meurtrier. L'objectif, là, c'est de faire des tirs à des distances variables, avec la même arme, avec des munitions similaires, de faire des photos, bien sûr, en fonction des différents tirs et puis des distances, et puis de comparer ce que l'on va voir avec les photos qui ont été faites au cours de l'autopsie. Voilà. Premier tir, à 20 cm de distance.
L'impact est précis, beaucoup plus petit que celui de notre meurtre. Cela veut dire que le tireur se trouvait plus loin. Autre tir, à 1 mètre de distance cette fois. La trace est sensiblement identique. Tu commences à voir... Toujours pas aussi large que celle retrouvée sur le vêtement de la victime. Il faut donc faire un nouvel essai de plus loin. 150 ? Ouais, 2, je pense même, tu sais, parce que... Troisième tir. Ok. À 2 mètres. Ah, c'est bon, là, maintenant. C'est bon ? Ouais. Cette fois-ci, les deux impacts correspondent. L'homme se tenait donc à 2 mètres de sa femme. La thèse de l'erreur de jugement s'éloigne. Il est très probable qu'il ait reconnu sa femme au moment où il a ouvert le feu. Reste une dernière énigme à résoudre. C'est parfait. Deux coups ont été tirés. Mais ont-ils été enchaînés ou bien l'homme a-t-il choisi d'achever sa victime au sol ? Ce qui aggraverait son dossier. Pour le savoir, nouvelle expérience grandeur nature. Sur la cible, deux impacts sont distants d'une 30 cm. Le second plus haut que le premier, exactement comme sur le vêtement. Explication. Avec une différence de hauteur qui est due au fait qu'il y a un recul de l'arme et puis peut-être un relevé du canon à la suite du premier coup de feu et le deuxième partant dans la foulée, on a une distance qui est un petit peu différente. Un tir qui est un peu plus haut. Donc ce qui pourrait expliquer qu'on ait deux impacts au niveau du corps qui soient séparés de quelques centimètres. La victime n'a donc pas été achevée au sol. Il restera encore aux enquêteurs à déterminer s'il y avait ou non préméditation. Mais les circonstances du meurtre sont maintenant plus claires. Et ce sont les scientifiques qui ont apporté les éléments déterminants pour le cours de l'enquête. Une contribution des experts aujourd'hui devenue quasi systématique, et pas seulement pour les scènes de crime. Même les délits les plus banals ont maintenant droit à l'intervention des scientifiques, car le moindre indice récolté pendant une enquête peut permettre de résoudre d'autres affaires, et parfois même de grandes affaires criminelles. À Dijon, lorsqu'Emmanuel quitte l'hôtel de police avec sa petite valise, c'est bien souvent parce qu'un cambriolage vient d'avoir lieu. Il faut dire qu'en France, il s'en produit un toutes les 90 secondes. Cela fait 10 ans qu'Emmanuel travaille dans la police scientifique. Sa mission est toujours la même. Résoudre le jeu de piste qu'ont laissé les voleurs derrière eux. Si on a la chance que beaucoup d'éléments ont été touchés, on aura du travail qui nous permettra éventuellement de trouver des traces intéressantes. C'est dans un magasin qu'a eu lieu l'effraction. Après un rapide coup d'œil à l'extérieur, Emmanuel prend les premières photos. Autant de relevés précis qui aideront les enquêteurs à constituer un dossier sur la manière dont les voleurs ont opéré. Donc au fur et à mesure que j'avance, je fais des photos pour situer. Un coup d'œil à la serrure. Un autre à la fenêtre brisée. Il semble clair qu'il y a eu effraction. Les voleurs n'avaient pas les clés du dépôt. Bonjour. La gérante lui explique comment elle a trouvé les lieux et ce qui a été volé. Ici, il y avait des dizaines de cheminées et de poêles à bois disparus. La gérante et le propriétaire expliquent qu'il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de matériel dérobé. Et donc, les poêles qui ont disparu c'est... Il y a ces trois-là, c'est sûr. Après, Lionel, il est en train de faire le... Parce que là, il y en avait beaucoup plus que ça, là. Et les voleurs ont aussi fracturé la portière de la camionnette de l'entreprise. Bah, peut-être qu'ils ont ouvert avec la poignée. Si les cambrioleurs ont touché le véhicule, il est possible qu'ils aient commis là leur première erreur. Emmanuel va être rapidement fixé. Finalement, ça peut être intéressant parce que s'ils ont quand même un petit peu énervé là-dessus, je vois éventuellement si on peut trouver quelques traces digitales ici. Mais... Emmanuel déploie son mini-laboratoire. Il contient tout le matériel nécessaire pour relever les empreintes digitales.
à commencer par un pinceau très spécial. Se faire une recherche de traces sur le camion avec de la poudre décadactylaire. Une poudre dactylo-capillaire, une poudre noire magnétique à base d'alumine et d'oxyde de cuivre. Extrêmement légère, elle ne se fixe que sur les traces de doigts récentes, laissées sur des supports lisses et secs. On a une poudre qui vient se coller, se fixer sur la sueur qu'on dégage avec les doigts ou les matières grasses. En quelques secondes, les premières traces apparaissent. Et bingo! Emmanuel trouve ce qu'il cherchait, une empreinte. Reste à la prélever. Pour cela, il récupère dans sa mallette un support plastique sur lequel il va sauvegarder son empreinte. Voilà, là, je suis en fait en train d'effectuer un transfert qui va permettre de prélever la trace et la mettre sur un support transportable. Voilà, donc cette trace. Voilà. Ça pourrait éventuellement être exploité. Mais rien ne dit que cette empreinte est bien celle du cambrioleur. Cela peut être celle d'un employé. Alors enfin limier, Emmanuel va chercher d'autres indices. Et un mot de la gérante de l'entreprise va le mener à une autre piste. Le voisin vient nous prévenir que le tire-pal est sur son parking. Donc, d'accord. Parce qu'ils ont dû mettre le camion sur le parking d'à d'accord. côté. Eh bien, ça va être lourd à monter les poils là. En fait, un chariot pour porter des palettes qui étaient dans l'entrepôt et que l'on retrouve abandonnées sur le parking. Les voleurs ont dû l'utiliser pour monter leur lourd butin depuis le hangar jusqu'au niveau du parking. Et Emmanuel va s'intéresser tout particulièrement à ce chariot. Il espère qu'en le tirant, le ou les voleurs ont laissé de la sueur. Malheureusement, il est resté dehors. Autrement dit, des traces de leur ADN. Je vais éventuellement essayer de faire de l'ADN en dessous ici. Et peut-être ici, parce que quand même les poils, c'est lourd. Donc il y a peut-être, tiré par deux personnes. Donc je fais de l'ADN ici et ici. Et pour prélever cet ADN, il faut d'abord un grand coton-tige. Emmanuel va l'enduire de sérum physiologique. Il va ensuite frotter la poignée du chariot où il pense qu'il peut y avoir des traces de sueur. Par ce frottement, il compte récupérer des substances microscopiques, invisibles à l'œil nu, mais qui pourraient contenir l'ADN du ou des voleurs. Donc plus il y a de frottement, plus il y a de chances d'avoir de l'ADN. En 5 minutes, le coton-tige est remis dans sa coque de plastique, soigneusement identifié. Emmanuel termine son travail. Il ne reste plus qu'à analyser ses prélèvements, empreintes et ADN. Retour au centre d'analyse de la police scientifique. Chaque année, plus de 100 000 échantillons sont analysés derrière ces murs. Parmi eux, les prélèvements effectués par Emmanuel après le cambriolage. C'est Lorraine qui a pour mission de faire parler l'empreinte relevée sur la camionnette. Dans la police, on l'appelle une traceuse. Donc là, on va chercher les points caractéristiques. Et un point caractéristique, c'est un accident dans ces lignes. Par exemple, ici, on a une ligne avec un petit bout qui se rattache. Et donc ça, c'est un point caractéristique. Chaque empreinte digitale comporte des traits caractéristiques qui la rendent unique et permet de l'attribuer à un seul et même individu. Une arme redoutable pour identifier un voleur. Encore faut-il que l'empreinte soit complète pour réunir suffisamment de points identifiables. En France, on utilise 12 points caractéristiques pour faire une identification. Donc si je n'ai pas 12 points sur ma trace, je ne peux pas l'identifier, donc je ne l'exploite pas. Lorraine se concentre donc sur l'empreinte recueillie par Emmanuel sur la camionnette. Les 12 points y sont-ils ? 4, 5, 6. Voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux peut-être tirer jusqu'à un 7e ici. J'ai pas 12 points là-dessus, quoi. La trace n'est pas assez grande, il n'y a pas assez de points caractéristiques, donc la trace n'est pas exploitable. L'empreinte relevée par Emmanuel sur le camion forcé par les voleurs ne mènera à rien. Mais l'enquêteur avait aussi prélevé un échantillon d'ADN avec un coton-tige sur le guidon d'un chariot à palette. Peut-être sera-t-il plus concluant. C'est Catherine qui récupère l'échantillon pour réaliser un test ADN.
Il faut savoir que lorsqu'on pose la main sur un objet, on y dépose sans le savoir d'infimes fragments de peau et un peu de sueur. À l'intérieur, des cellules. Et si l'on se rapproche encore un peu, dans le noyau, on découvre des chromosomes composés d'ADN. Cette molécule en forme d'hélice. Elle recèle le code génétique spécifique à chaque individu. L'ADN, c'est donc la carte d'identité ultime. Mais pour cela, encore faut-il trouver une trace sur le coton-tige. C'est Catherine qui va essayer d'isoler cet ADN. Après les précautions d'usage pour ne pas altérer l'échantillon avec son propre ADN, elle commence par détacher le coton de sa tige et lui faire subir un certain nombre d'actions. La scientifique va d'abord chauffer l'échantillon, puis le secouer pendant plusieurs heures. Il lui reste alors à en extraire un liquide. Donc l'ADN, s'il y a ADN, se retrouve dans ce liquide. C'est donc ce petit flacon qui recèlerait l'identité du coupable. Reste à analyser le liquide pour révéler cette identité. C'est le rôle de ce robot high-tech. Il va déterminer les caractéristiques exhaustives de l'ADN, si ADN il y a. Et au bout de 10 heures d'analyse, bonne nouvelle. L'échantillon est positif. Sur l'écran, des traits de couleur apparaissent. C'est le profil génétique unique de la personne dont Emmanuel a prélevé l'ADN sur les lieux du cambriolage. Nous obtenons ce profil génétique. Et je peux même vous dire qu'il s'agit d'un homme, puisque c'est XY. Reste maintenant à découvrir le nom de la personne. Et pour cela, il suffira de comparer cette carte d'identité génétique avec toutes celles contenues dans le fichier national des empreintes génétiques. Un fichier très récent, créé il y a tout juste 15 ans, dans des circonstances dramatiques. Après qu'une affaire criminelle a choqué toute la France et marqué la mémoire collective. Décembre 1997, c'est la psychose à Paris. On retrouve une femme égorgée, un meurtre sordide. Et les scènes d'horreur se succèdent. De jeunes femmes sont sauvagement violées et assassinées dans des parkings ou à leur domicile. Cette série meurtrière est sans précédent, la terreur s'empare de la capitale. Un spécialiste des tueurs en série, Stéphane Bourgoin, se souvient de ce climat de terreur. Et il y a une véritable psychose, et on le sent, hein. Les restaurants dans tout l'Est parisien se vident le soir, il n'y a presque plus personne dans les rues, les femmes ont vraiment peur de sortir seules la nuit. Les enquêteurs s'interrogent. Ils n'ont aucune certitude, mais des faits troublants laissent penser qu'il s'agit d'un seul et même assassin. À l'époque, Martine Monteil est la directrice de la police judiciaire. C'est elle qui supervise l'enquête. Il y a quand même des éléments qui font pressentir qu'il est possible donc, que nous ayons affaire à un serial killer. Car elles avaient la même position, on retrouvait les mêmes éléments, on retrouvait la même trace sous la gorge. Il a sectionné préalablement le soutien-gorge entre les bonnets, le slip aussi sur les côtés. Tout ça, on le retrouve sur les scènes de crime. Pascal Escarfaille, Catherine Rocher, Elsa Benadi. Toute victime de meurtre barbare au procédé identique. Mais à la quatrième victime, le tueur va commettre sa première erreur. Il laisse des traces de sperme sur le corps d'Agnès Nischkamp. Quelques mois plus tard, il fera une deuxième erreur fatidique. En agressant Elisabeth Ortega, il fume une cigarette et laisse le mégot derrière lui. Le juge Till, chargé de l'instruction, peut enfin faire comparer les deux traces ADN relevées sur les scènes de crime.
des mégots de cigarettes lissés par le tueur qui avait échoué au domicile d'Elisabeth Ortega présentaient un profil génétique identique à celui extrait des prélèvements vaginaux et anaux effectués à l'occasion de l'autopsie de mademoiselle Nischkampf. C'était un même et unique auteur. Les enquêteurs ont désormais la preuve formelle qu'il s'agit bien d'un tueur en série. Mais difficile pour les policiers de tirer de cet ADN l'identité du prédateur. Car à l'époque, ils n'ont pas le droit, ni les moyens, de le comparer à tous les échantillons d'ADN déjà présents dans d'autres affaires à travers la France. Pas de fichier dans lequel fouiller. À l'époque, l'écrivain Frank Spengler s'intéresse de près à l'affaire. On a effectivement des marques pour chacun de ces meurtres, mais la loi ne permet pas qu'on les recoupe. On n'a pas le droit d'aller interroger. Tout ce qui était fichier de délinquants, on ne pouvait pas dire, tiens là j'ai une empreinte génétique, je vais aller voir si dans toutes les affaires qui existent, je retrouve cette même empreinte. Or, le juge Till a l'intime conviction que l'assassin est déjà fiché quelque part en France. Le magistrat va outrepasser la loi en faisant pression sur tous les laboratoires du pays pour qu'ils comparent l'ADN du meurtrier avec leurs propres archives génétiques. Les laboratoires me disent c'est non. Ben, je leur dis, écoutez, je peux à la limite comprendre sur le plan philosophique votre position, mais vous allez me la matérialiser par écrit. Et je mettrai votre lettre dans le dossier. Et au prochain assassinat, parce que c'est inévitable que ça se reproduise, on ne pourra pas l'empêcher. Eh bien, votre lettre sera au dossier, puis vous en expliquerez. Le coup de pression porte ses fruits. La plupart des laboratoires réagissent à cette demande pressante et rentrent l'ADN du tueur dans leur fichier. Et c'est à Nantes que la stratégie va se révéler payante. Le responsable du laboratoire appelle le juge Till pour lui annoncer la nouvelle. Et là, on va attendre le 24 mars 1998, lorsque le docteur Pascal m'appellera en disant « Monsieur le juge, une bonne et une mauvaise nouvelle par laquelle je commence ?» Je lui dis « Pour une fois, commencer par la bonne. » Il m'a dit eh « ben, Le tueur de l'Est parisien a été identifié, c'est un nommé Guy Georges. » Je lui dis « Docteur, vous n'avez même pas besoin de me dire quelle est la mauvaise, c'est qu'on l'a déjà eu entre les mains. » Et effectivement, on l'avait eu entre les mains au mois de septembre 1995. On passe pas du jour au lendemain comme ça à ce genre de criminalité sans avoir laissé quelques traces auparavant, notamment auprès des institutions qui sont chargées de lutter contre ces prédateurs. Grâce à la détermination du juge Till, l'ennemi public numéro un a enfin un visage. Il a aussi un nom, Guy Georges. Cambriolage, agression, vol, ce marginal bien connu des services de police a déjà été condamné à plusieurs reprises. Deux jours après avoir découvert son identité, la police met fin à son activité meurtrière. Le tueur de l'Est parisien est enfin arrêté. La police avait recueilli son ADN en 1995, déjà à la suite d'une tentative de viol. Pendant ces trois années, il était donc techniquement possible d'identifier et d'arrêter Guy Georges. Et pourtant, dans cet intervalle, il va commettre deux meurtres supplémentaires. Pour le juge Till, l'arrestation est teintée d'amertume. Je sais qu'à partir du moment où il sera arrêté, il n'y aura plus d'autres victimes. Par contre, on est quelque peu responsable, même s'il faut mettre des guillemets, de la mort de ces deux jeunes femmes, dont les crimes auraient pu être évités. En 2001, Guy Georges est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans pour 7 meurtres. Devant ce qui apparaît comme les failles du système, les politiques réagissent. Il y aura un avant et un après Guy Georges. Le 18 juin 1998, la loi Guigou crée un fichier national des empreintes génétiques. Dans un premier temps, ce fichier ne va concerner que les délinquants sexuels. Mais trois ans plus tard, on se rend compte que ce fichier est tellement utile aux enquêteurs que les politiques élargissent son action. Tout criminel ou délinquant y sera également fiché.
Aujourd'hui, plus de 2 millions de Français y sont référencés. Près d'une personne sur 30. Chaque ADN a son propre code-barre. Et dès que la police veut comparer des empreintes génétiques, elle consulte la base de données pour effectuer une comparaison, ce qu'on appelle un rapprochement. Si l'ADN est connu, le fichier donne un nom. En revanche, s'il est inconnu, il est rangé en attendant d'identifier son porteur. Ce système a permis de conclure des affaires criminelles que l'on pensait ne jamais pouvoir résoudre. C'est par exemple grâce à ce fichier génétique que l'on a formellement identifié Pierre Baudin, dit Pierrot le fou, comme étant le dangereux criminel et assassin récidiviste qu'il niait être. Grâce à l'ADN qu'il laisse sur les corps de ses victimes, la police a pu le stopper dans sa folie meurtrière. Mais ce fichier ne sert pas qu'à condamner. C'est en effet grâce à l'ADN que l'on a pu innocenter Marc Machin, condamné à la perpétuité pour le meurtre d'une joggeuse dans le bois de Neuilly. Il aura passé 7 ans de sa vie en prison pour rien. Et vous allez voir comment les enquêteurs sont allés encore plus loin. Comment, 10 ans après les faits, en faisant évoluer leur propre technique de recherche ADN, ils ont résolu un meurtre qui n'aurait jamais dû être élucidé. L'affaire Élodie Kulik. Lorsqu'en 2002, on retrouve Élodie, une jeune et jolie jeune femme de 24 ans, violée et assassinée en rase campagne, tous les espoirs se tournent vers l'ADN. Car sur les lieux, la gendarmerie a retrouvé un élément précieux, un préservatif avec l'ADN du tueur. Les enquêteurs sont confiants. À l'époque, le père d'Élodie se raccroche à cet espoir. Je pensais bien qu'on le retrouverait vite. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait déjà commis des délits et que son ADN allait le trahir. Mais les premières recherches ne donnent rien. L'ADN est inconnu du fichier. L'enquête piétine. Les gendarmes vont alors avoir une idée inédite. Ils convoquent tous les hommes habitant la région et prélèvent leur ADN en espérant mettre la main sur le meurtrier. Le journaliste Georges Charrière couvre alors l'affaire. Toutes les pistes, les gendarmes décident d'exploiter toutes les pistes possibles. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont été en contact, de près ou de loin, tous les hommes avec Élodie, sont prélevées. Tous ceux dont on pense qu'ils pouvaient se trouver dans le secteur sont prélevés. Les gendarmes reçoivent des coups de téléphone aussi, de dénonciation. Un tel, il n'est pas très net, il n'est pas bien, etc. Tout. Systématiquement, les gendarmes vérifient, systématiquement aussi, ils opèrent des prélèvements. C'est dans la bouche, vous grattez bien la langue. 5500 tests ADN sont effectués, en vain. Les gendarmes ne réussissent pas à identifier l'assassin d'Élodie. On croit à un échec. Jusqu'au jour où un jeune enquêteur va avoir une idée lumineuse. Il revient des États-Unis et suggère que l'on s'inspire de leur technique. Une technique dont on ne s'est encore jamais servi en France. Mais l'enquêteur est convaincu d'avoir la bonne méthode. Il arrive donc dans cette enquête avec un regard un peu nouveau. Et il va se souvenir qu'aux États-Unis, le FBI utilise une technique d'apparentement ADN, ce qui est également le cas en Angleterre, à Scotland Yard. Une technique qui consiste à, quand on trouve un ADN sur une scène de crime qui ne correspond pas à celui qui est dans un fichier, on va essayer de trouver dans le dit fichier les ADN qui s'en rapprochent le plus possible. Donc ça va, les ADN de membres de la famille. Pour la première fois en France, au lieu de rechercher l'ADN du tueur, on va se rapprocher de celui de sa famille. Et cette tentative va se révéler payante. L'ADN retrouvé sur les lieux du crime ressemble beaucoup à celui d'une famille de la région. En l'interrogeant, ils apprennent que l'un des fils s'est tué dans un accident de voiture. À la demande des gendarmes, le juge en charge de l'affaire fait exhumer le corps et procéder à un prélèvement d'ADN. Et confirmation, c'est bien celui du tueur. C'est grâce à l'ADN que 10 ans après les faits, les gendarmes ont pu identifier le violeur et meurtrier présumé d'Élodie Kulik. Moi, j'ai fait cette promesse-là, vous savez, je l'ai fait à ma fille d'abord. J'ai promis le jour où je l'ai vue, j'ai promis que je la trouverais. Et je l'avais promis à mon épouse également.
Avec ce système de comparaison d'ADN étendu à toute la famille, les gendarmes ont une arme redoutable entre les mains pour résoudre des enquêtes criminelles, mais ce n'est pas la seule. Car la recherche par comparaison d'ADN est une technique certes imparable, mais elle implique qu'une trace ADN ait été trouvée. Or, cette méthode est maintenant bien connue du grand public et donc des criminels eux-mêmes, qui font de plus en plus attention à ne laisser aucune trace derrière eux. Certains portent des gants, d'autres effacent leurs empreintes. Alors, pour confondre les coupables, les scientifiques de la police et de la gendarmerie doivent sans cesse innover. Vous allez découvrir une méthode redoutablement efficace, une méthode très peu connue, jamais filmée jusqu'ici, mais qui promet de révolutionner le cours de la justice. Depuis plusieurs semaines à Dijon, une série de braquages défraie la chronique. Impossible de coincer les voleurs. Ils ne laissent aucun indice derrière eux, ni empreinte, ni ADN. À chaque fois la même cible, de petites banques, et le même mode opératoire, un voleur froid et déterminé. Nous sommes dans le hall d'entrée d'une petite agence, juste avant l'ouverture aux clients. Un homme surgit, sur les talons de la directrice des lieux. Ganté, cagoulé et surtout armé, il oblige la responsable à lui remettre tout l'argent contenu dans le distributeur de billets. Puis un deuxième employé fait son apparition et se retrouve nez à nez avec le braqueur qui le met en joue et le conduit à l'écart. Toujours sous la menace d'une arme, la directrice termine de vider le distributeur. Au total, 18 000 euros. Puis calmement, le braqueur sort de l'agence et disparaît. À l'hôtel de police, c'est Emmanuel, enquêteur à la PJ, qui est chargé d'élucider cette affaire et de mettre un terme aux activités de ce mystérieux braqueur. Donc voilà, l'individu, il paraît quand même assez serein, hein, il n'est pas très très nerveux. Je le trouve relativement calme. Pas inquiet plus que ça, quand même. Et le fait notamment d'avoir pris autant de temps dans l'agence, ça, c'est quand même pas commun. Et ça montre une certaine détermination et un certain calme. Emmanuel, lui, commence à perdre un peu patience. Il est vrai que ce bandit a de quoi agacer notre enquêteur. Non seulement cela fait plusieurs semaines qu'il lui file entre les doigts, mais en plus, il vient de repasser à l'acte. C'est à nouveau au petit jour que tout va se passer, quand les employés viennent d'ouvrir l'agence. Mais cette fois, ce sont deux braqueurs qui s'engouffrent dans le local. Là encore, ils obligent les employés à leur remettre le contenu des distributeurs automatiques. Les deux hommes vont repartir avec plus de 100 000 euros en liquide. Et là encore, ils ont pris soin de ne laisser aucun indice derrière eux. Comme lors de la première attaque, des cagoules pour ne pas être identifiés, des gants pour ne laisser aucune empreinte digitale ou génétique. Alors Emmanuel a dû demander à la scientifique d'effectuer des analyses auxquelles ses suspects ne pouvaient pas s'attendre. Sans le savoir, le premier voleur a commis une petite erreur qui va lui coûter cher. Après la première attaque, il s'est enfui au volant de la voiture d'une employée de l'agence. Cette citadine, retrouvée quelques heures plus tard, et dans laquelle les policiers vont effectuer des prélèvements d'un tout nouveau genre, des captures d'odeurs corporelles. Hervé, technicien de l'identité judiciaire, va nous montrer comment il s'y est pris pour réussir à prélever une odeur dans la voiture. Tout d'abord, il doit se protéger afin de ne pas polluer la scène avec ses propres odeurs corporelles. Donc on protège un maximum le masque, Charlotte. Pour récupérer les empreintes odorantes, Hervé utilise de petites lingettes qu'il manipule avec des pinces stériles. Car même ses gants ne peuvent parfaitement contenir ses propres odeurs.
Ce sont des lingettes stériles, spécialement conçues pour recueillir les molécules odorantes. Quelques minutes suffisent pour qu'une odeur imprègne un objet ou un lieu, comme cette voiture. Ensuite, le technicien n'a que 3 jours pour la recueillir. Au-delà, l'odeur se dégrade puis s'évapore. Dernière étape avant de récolter les odeurs. Donc, du papier d'aluminium. Installer ces papillotes pour confiner les molécules odorantes et les faire adhérer plus vite aux lingettes. On va laisser 1 heure. Les lingettes et l'odeur qu'elles ont capturées vont être confinées dans ces bocaux hermétiques et stérilisées. Ces bocaux sont ensuite conservés dans cette pièce, une odorothèque. Ici flotte l'odeur du crime, le doux parfum de suspect, dont celui de notre présumé braqueur de banque. Et l'odeur, c'est comme les empreintes digitales ou l'ADN. Chacun a la sienne, unique. Si les policiers arrêtent un suspect, ils pourront comparer son odeur avec celle relevée sur les lieux du braquage. 10 mois plus tard, grâce à des méthodes d'enquête classiques, l'équipe d'Emmanuel est enfin sur la piste des 2 braqueurs. Renseignements anonymes, écoutes et filatures ont payé. Dans moins de 24 heures, ils vont interpeller leurs 2 suspects. Donc au niveau organisation, on se donne rendez-vous à 5h45 ici. Autour d'Emmanuel, tous les policiers du groupe criminalité qui ont travaillé sur le dossier. Et c'est grâce aux éléments qu'ils ont obtenus que ces enquêteurs de la PJ ont identifié leurs suspects. 2 jeunes hommes, officiellement sans revenus, mais qui pourtant mènent grand train. Alors depuis plusieurs mois, on les a mis sur écoute. On n'a rien contre eux sur les écoutes, il faut reconnaître. Ils n'ont jamais évoqué les braquages. Par contre, ils ont un train de vie qui ne correspond pas du tout à leurs ressources, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ressources. Par contre, ils ont un train de vie relativement élevé, ce qui suppose qu'ils ont de l'argent en voiture en voyage. Du moins, ils ont beaucoup d'espèces qui grillent facilement dans les voyages et dans les bagnoles et dans diverses dépenses de ce style. Pas de preuves formelles donc, mais de gros soupçons. Alors Emmanuel va mettre la pression sur Hervé, le scientifique de l'équipe. C'est sur ses épaules que va reposer tout le succès de l'opération. Il va jouer un rôle crucial. Avant de rentrer dans le détail des objectifs et tout ça, je vais parler plus particulièrement de l'identité judiciaire qui va nous accompagner sur les interpellations en elles-mêmes. Parce que le but, c'est que dans ce dossier-là, on a des prélèvements d'odeurs qui ont été faits dans 2 véhicules. Donc le but, c'est de traiter ces traces pendant la garde à vue. Hervé va devoir travailler en un temps record. Car avec l'analyse des odeurs, les enquêteurs veulent avoir des preuves irréfutables à exploiter pendant la garde à vue. Ils disposent donc de 2 jours maximum. Mais là, premier truc qu'on fait, on leur notifie leur garde à vue. Et dans la foulée, le mec, il est dans sa chambre, il est assis, prélèvement génétique, prélèvement d'odeur. Ça, c'est première chose à faire. Dès que les policiers pénétreront chez leurs 2 suspects, ils auront 48 heures pour les confondre. C'est donc une course contre la montre qui va bientôt débuter. Le lendemain matin, 5h30. L'opération va démarrer. Hervé part rejoindre le reste de l'équipe sur les lieux de l'intervention. Officier au pôle d'intervention de l'identité judiciaire, il ne participe que rarement aux interpellations. Généralement, ce n'est qu'une fois les suspects emmenés qu'il opère. Alors ce matin-là, Hervé a un peu la pression. On sait que des armes se promènent. On ne sait pas si ce sont des armes factices ou des vraies. On va toujours dans l'inconnu, il va y avoir des interpellations, peut-être la surprise, on va peut-être trouver d'autres choses. Il y a peut-être pas d'adrénaline, un stress positif. Dans la banlieue de Dijon, aux premières heures du jour, les enquêteurs de la police judiciaire se préparent à passer à l'action. Concentré, Hervé sait qu'il va devoir travailler très vite pour peut-être offrir à ses collègues des preuves scientifiques indiscutables. Le suspect principal des 2 braquages
habite dans cette petite résidence. Et son réveil s'annonce brutal. Le suspect est rapidement maîtrisé. Il faut maintenant sécuriser le reste de l'appartement. Reste là-bas, reste. On va voir s'il y a d'autres personnes. Il est 7h45, je vais passer à garde à vue pour profiter de ce moment. En cas d'une commission rogatoire pour vol avec arme. Le compte à rebours vient de commencer. C'est maintenant à Hervé d'entrer en jeu. Nous sommes dans l'urgence. Je vais faire le prélèvement ADN tout de suite, pendant que c'est chaud. Hervé dégaine tout d'abord son kit de prélèvement ADN. Pour obtenir la carte d'identité génétique du suspect, il va prélever des cellules dans la muqueuse de la joue. C'est l'endroit le plus facilement accessible pour obtenir un échantillon. Il suffit de quelques minutes pour imprégner cette petite sucette, un coton-tige buccal. Ouvrez la bouche, fermez la bouche. Ensuite, j'ai frotté contre vos muqueuses. Hein. C'est pas douloureux, n'en faites pas. Ouvrez la bouche, fermez la bouche. Attendez, je vais l'enlever. Hervé transfère ensuite l'échantillon sur un petit support transportable. Il va maintenant pouvoir opérer le fameux prélèvement auquel le suspect ne s'attendait pas, celui de son empreinte olfactive. À nouveau, pour éviter de mêler son odeur à celle du suspect, c'est avec des pincettes qu'Hervé lui remet ses fameuses lingettes. Venez, monsieur. Ouvrez votre main. Prenez-la, votre main. L'autre main, ouvrez. Prenez. Faites deux boules. Voilà. Et malaxez pendant 10 minutes. 10 minutes, c'est le temps qu'il faut pour emprisonner l'odeur du suspect. Pendant ce temps-là, les enquêteurs, eux, ont fait une première découverte intéressante. Vous voulez prélever le pistolet ? Oui. En fait, c'est une arme en plastique. Mais pour les policiers, cela ne change rien. Si elle a servi pendant le braquage, ils la considéreront comme bien réelle. Une photo, et Hervé peut enfin récolter ses 4 lingettes. Puis les placer dans un bocal stérilisé. Merci. Mais son travail n'est pas terminé. Il faut que remplir. Car dans l'appartement, il lui reste encore à photographier toutes les découvertes des enquêteurs. Ouais, là-dedans. Produits high-tech, objets de luxe et équipements flambant neufs. Tout dénote un certain train de vie sans commune mesure avec les revenus de cet homme sans emploi. Il devra s'expliquer sur la provenance de ses biens. Hervé, tu feras bien une photo de la cuisine puisqu'il est acheté avec l'argent du braquage. Oui, oui. Chaque élément sera pris en gros plan. Vous faites quoi comme boulot, monsieur ? Je suis en profession. Ben, ça vient bien. Hein ? Mais les policiers n'ont toujours pas trouvé de preuves formelles, comme de l'argent ou des cagoules. Les odeurs sont encore la meilleure piste dont ils disposent. Alors, pendant qu'Emmanuel et son équipe emmènent leurs suspects, Hervé doit filer au plus vite au laboratoire de la police technique et scientifique, pour y faire examiner les odeurs qu'il a relevées. C'est la seule chance pour les policiers de confondre leur braqueur présumé. Ah oui, maintenant, c'est urgence. Perd du temps, on se dépêche. Direction Lyon. Hervé a 2 heures de route à faire. Il faut se dépêcher, car la garde à vue ne dure que 48 heures. Et la clé du mystère et peut-être dans sa voiture. Vous avez un petit peu le sort de l'enquête entre vos mains ? J'ai quelques éléments en main dans la voiture, là, oui. Ah, il y a une part de responsabilité. Il ne faudrait pas qu'on ait un accident ou qu'on les perde, oui. Oui, c'est une charge. Oui. À Dijon,
les enquêteurs, eux aussi, sont bien décidés à ne pas perdre de temps. Les interrogatoires vont immédiatement débuter. Celui du suspect numéro 1, mais aussi de son complice présumé lors du deuxième braquage. Et les deux suspects ne vont pas se montrer des plus coopératifs. Je vais vous présenter des photos de vidéosurveillance. Regardez. Hein. D'accord. On voit bien que cet individu est armé quand même. Hein. Même de feu le côte, même tenu le sujet. Vous êtes que pour le premier. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les personnes qui sont présentes sur ces vidéosurveillances? Je crois que je ne les connais pas du tout. Je crois que c'est pas moi. Dans l'autre pièce, même question à son complice présumé. Mais confronté aux images de vidéosurveillance, lui non plus ne se démonte pas. Il le sait bien, rien ne l'identifie formellement. L'un des signalements semble pouvoir, et je dis bien pouvoir, convenir à votre signalement. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça? Je vois le seul trappu et... Tout à fait. Mais les policiers possèdent d'autres éléments bien plus compromettants. Et c'est au train de vie du principal suspect qu'ils vont s'intéresser. Alors que l'homme est sans emploi, il multiplie les dépenses et va maintenant devoir s'expliquer. On a acheté divers équipements, cuisine, meubles, pour un montant total de 4 251,80 €. Tout en espèces. Est-ce que vous me confirmez? Oui. La provenance de où cette somme aussi importante? Pas obligé. L'argent que j'avais, un peu quand même. Beaucoup d'économies, monsieur. Moi, j'ai fait beaucoup d'économies. Tu confirmes. Le principal suspect ne se démonte toujours pas. Et donc, pas d'aveu. Emmanuel et les policiers sont dans une impasse. On n'a que ça, hein. Ils ont tout fini le travail. Alors, leur dernier espoir, ce sont les résultats de la scientifique. À tout à l'heure, merci. Ce qui permettrait vraiment de faire basculer l'enquête, c'est ces résultats d'analyse génétique et de neurologie. Hein, pour, là, ça serait vraiment la preuve... La preuve idéale quoi, de l'implication d'au moins un ou plusieurs individus dans ces affaires de braquage. À près de 200 km de là, Hervé vient d'arriver dans le laboratoire de la PJ, à Écully. Ses prélèvements sous le bras, direction le centre d'analyse de traces odorantes. Installé depuis 2003, ce département unique en France compte 12 experts. À eux d'exploiter ce qui sera peut-être la meilleure preuve pour la PJ de Dijon. Donc ça, bon, on pourra l'exploiter. Ça a été fait quand, ce matin, alors? Ce matin. Donc demain matin... On les a fait au lever du lit. Ouais. Ils ont bien malaxé. Pour les 10 minutes. Ouais. Eh bien, bon retour. Merci de bon votre courage. Visite. Très bien. Ouais. Je vous remercie. Les odeurs prélevées par Hervé... lors de l'arrestation du suspect numéro 1, vont pouvoir être comparées à celles récoltées sur le véhicule dérobé à une employée de la banque après le braquage. Si les deux odeurs se révèlent identiques, cela prouvera que l'homme était bien dans cette voiture et qu'il l'a peut-être volée après l'attaque. Alors c'est au tour d'experts très particuliers d'entrer en scène, des limiers qui travaillent toujours à quatre pattes. Chenil de la police technique et scientifique qui est composé de 7 chiens, 3 bergers allemands et 4 bergers belges malinois. Leur mission, résoudre des affaires criminelles grâce à la haute précision de leurs truffes. Leur odorat est 1 million de fois plus développé que celui de l'homme. Et ces chiens sont les meilleurs dans leur spécialité. Ils sont sélectionnés à l'issue d'une année de formation intense. Ils développent une aptitude à l'effort et une sensibilité extraordinaire. Leur mode opératoire répond à un protocole très précis. Regardez. Tout commence dans l'odorothèque, là où sont conservés 10 ans de prélèvements effectués sur tout le territoire. C'est la durée pendant laquelle une odeur peut être conservée sans être altérée. Encore faut-il respecter certaines conditions.
ceux qui sont amateurs de bon vin, c'est le même fonctionnement qu'une cave. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que il faut une température entre 15 et 20 degrés, à l'abri de la lumière et avec un taux d'hygrométrie constant. Ensuite, c'est une technique rarement mise en avant qui va être employée. Mais pour ne pas nuire à l'enquête en cours, nous n'avons pas été autorisés à filmer le test olfactif en lien direct avec les deux affaires de braquage. Olivier, le maître chien, a tout de même accepté de décrypter pour nous tout le processus d'analyse d'une odeur. Un de ses collègues commence par prélever dans l'odorothèque un échantillon, relevé lors d'une enquête, celle d'un malfaiteur que la police recherche. Puis direction cette salle d'identification, où les chiens vont pouvoir effectuer leurs analyses odorologiques. Et le protocole est bien précis. Sur cette ligne au sol, Olivier dispose 5 bocaux. Le mise en cause, que je mets là en troisième position. C'est le seul bocal qui recèle l'odeur prélevée sur les lieux d'un crime. Les 4 autres sont des leurres. Ils n'ont rien à voir avec l'affaire. Puis c'est au tour du limier d'entrer en piste. Il renifle d'abord les lingettes que les enquêteurs ont fait malaxer par le suspect lors d'une interpellation. Ensuite, c'est tout simple. L'animal doit se coucher devant le bocal qui renferme la même odeur. Le chien, vous voyez, identifie parfaitement le bocal placé en troisième position. A priori, les deux odeurs coïncident. Cela veut dire que les policiers ont mis la main sur le bon suspect. Mais cela demande toujours confirmation. Donc là, comme on a eu une première reconnaissance d'odeur, eh bien on va tourner les odeurs de comparaison pour leurrer le chien et montrer que le chien ne se couche pas sur une odeur par hasard ou par tournure d'esprit. Cette fois-ci, le bocal est placé en fin de ligne, à la 5e place. Le chien renifle une deuxième fois l'odeur témoin et se couche, sans hésitation. Troisième et dernière étape, l'odeur du suspect est supprimée de la ligne de test. J'enlève l'odeur incriminée et le chien va faire la ligne dite vide, c'est-à-dire qu'il doit passer sur tous les bocaux, n'en identifier aucun et revenir de lui-même vers son maître. Et l'enquêteur aux grandes oreilles ne se laisse pas berner. Pour plus de certitude, toute l'opération sera renouvelée avec un deuxième chien expert. Voilà exactement le type d'analyse que les policiers de Dijon ont demandé dans leur affaire de braquage. Laissez-le faire, il ne mord qu'une fois. Retour à Dijon. Les suspects sont toujours en garde à vue et Emmanuel est impatient de savoir si les tests d'odorologie sont concluants, car il ne lui reste que 12 heures d'audition. Je vous appelle, hier on a amené des scellés. Pour le moment, les enquêteurs n'ont obtenu aucun aveu des suspects et les premiers relevés de traces ADN n'ont rien donné. Le dernier espoir d'Emmanuel repose donc sur le flair des chiens policiers. Il y a eu un petit bout de réponse hier soir et puis c'était reparti pour la nuit. Et là, c'est juste pour savoir s'il y a un souci particulier. Oui, donc on est toujours en train de travailler dessus. C'est le combat de combat puisque c'est quand même un gros truc à faire. Merci, au revoir. Je pense avoir les résultats beaucoup plus tôt. On prend un peu de retard et puis la garde à vue court. On est sur la deuxième journée. On finit demain matin assez tôt, donc voilà, s'il faut les réentendre sur des éléments intéressants, ça serait bien d'avoir les résultats là, assez vite. En attendant, les enquêteurs vont remettre la pression sur leurs suspects et à nouveau les interroger sur leurs dépenses. Voyage à l'étranger, voiture de luxe louée, des dépenses toutes réalisées très peu de temps après les fameux hold-up. Une Porsche Cadillac ainsi qu'une BMW X6 ont été louées pour une somme de 2000 euros en espèces. D'accord. Ce qui fait 2000 plus 2000, 4000 euros. Qu'est-ce que vous avez à me dire à ce propos? Peut-être qu'il venait de... Alors, je
côté de Jamais. Je ne sais plus exactement. Il y a beaucoup de choses que vous savez, monsieur. Oui. T'as été contrôlé au volant d'une Lamborghini Gallardo immatriculée Ben. Sachant que les investigations réalisées ont permis de déterminer que c'est toi qui a réuni les 11 500 euros qui ont été remis en liquide au loueur. Moi, j'ai remis les 11 500 euros. C'est toi qui as réuni la somme. Est-ce que vous nous confirmez toujours que les espèces dont vous vous êtes servi pour payer tous les frais déjà cités font partie de vos économies et ne sont pas des fonds provenant d'activités illégales, voire des fonds provenant des vols avec armes commis les 18 et 1er 2012 à... Oui, toujours. Toujours pas d'aveu. Alors les suspects risquent d'être libérés à l'issue de leur garde à vue. Pas de mise en examen à la clé. Ce serait un échec pour Emmanuel, qui est persuadé de leur culpabilité. Alors il rappelle les experts en odorologie. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui, donc on a un positif. Vous avez un positif, ok. Voir le... Oui. Sur l'assise conducteur du Picasso. Emmanuel a enfin la preuve qu'il attendait. Les odeurs recueillies sur la voiture utilisée par le braqueur sont exactement les mêmes que celles capturées par Hervé, le technicien, lors de l'interpellation. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On est encore en train de peaufiner sur le reste, et moi, je suis en train de rédiger D'accord. le rapport d'expertise. Non, c'est bien, c'est le petit coup de pouce qui va permettre de décoincer les choses. Ouais. Parce que nous, on était un petit peu... On n'avait pas grand-chose, et on espérait vraiment beaucoup de la génétique ou de l'odorologie. Quoi. Et, là, ouais. Et en plus, c'est vraiment lui qu'on avait ciblé, donc c'est bien. Ben là, ça permet vraiment de confirmer les soupçons qu'on avait sur ces individus. Ça vient étayer tous les éléments qui étaient réunis, mais qui n'étaient peut-être pas suffisants quoi, jusque-là. Et là, ça, c'est un plus et le puzzle se met en place. Quoi, hein, et là, c'est intéressant. Maintenant, on va voir comment va réagir l'individu à cet élément de preuve. Quoi. Emmanuel s'empresse de prévenir tout le groupe d'enquête, car ce nouvel élément va leur permettre de relancer des interrogatoires juste avant la fin de la garde à vue. Je viens d'avoir les résultats. Alors ADN négatif. Ouais. En revanche, l'odorologie, c'est positif. Pour le premier braquage. Pour les policiers, une excellente nouvelle. Elle va faire basculer l'enquête. Emmanuel n'a plus qu'à avertir Laurent, qui mène l'audition du principal suspect, et lui fournir un nouvel angle d'attaque. C'est positif pour le siège assise conducteur. D'accord, c'est parfait tout ça, impeccable. Voilà une bonne nouvelle. Non, parce qu'il m'a dit qu'il était jamais monté dans la voiture des employés, donc comme ça, au moins, il va falloir qu'ils en justifient quand même. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire au moment de l'audition ? Alors, on va continuer l'audition comme si de rien n'était, et puis ensuite, lui mettre en main les cartes, comme on dit, lui mettre les cartes en main pour voir un petit peu sa réaction concernant l'odorologie. Donc, on a un petit élément supplémentaire qui nous est arrivé dernièrement, et qui, apparemment, vous implique dans ces faits. D'accord ? À savoir que lors des examens odorologiques, il est réalisé avec votre odeur corporelle. Vous savez, les odeurs qui ont été prélevées au moyen des lingettes à l'issue de votre interpellation. Cette odeur s'est avérée être la même que celle qui a été prélevée dans l'un des véhicules des employés séquestrés. Comment vous m'expliquez ça ? Je ne sais pas. Comment ça se fait que, au niveau de l'examen scientifique, on ait trouvé ça ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ? Non, pas du tout. Vous ne comprenez quoi ? Vous ne savez pas quoi ? Comment cette odeur va y arriver là ? Non, parce que c'est... je ne suis jamais rentré dans ce véhicule, donc je ne comprends pas. Ces petites bandes de tissu ont rendu leur verdict. Le principal suspect était bien au volant du véhicule dérobé après l'un des braquages. Malgré ces dénégations, les indices sont maintenant suffisants pour le poursuivre. Car depuis 2003, les tests d'odorologie sont reconnus comme des preuves par les tribunaux français. Voilà, la police scientifique a joué son rôle à plein, puisque là, je pense que c'est l'élément qui va... vraiment le petit plus quoi, pour ce dossier, qui va permettre certainement de déférer un, voire peut-être deux individus dans cette affaire. Ouais.
Le suspect principal sera présenté à un juge d'instruction puis incarcéré. Il attend maintenant son procès et risque jusqu'à 20 ans de prison. Le second braqueur, lui, a été placé en liberté surveillée. Une nouvelle victoire pour la police scientifique, toujours plus sollicitée. Car l'an passé, 3,5 millions de crimes et délits ont été commis en France, soit près de 10 000 chaque jour.